Salut à tous, bonsoir! Ben ouais, pour une raison que j'ignore, mon logiciel de streaming ne veut plus filmer Medieval 2, alors je suis directement à filmer l'écran. Allons in-game! J'avais hâte de continuer la bagarre! C'est un run compliqué, hein. Mais c'est fun! C'est fun! Je me rappelle que le Variag m'avait pété la gueule, et que on est attaqué de partout dans le sud. Le Mordor, ça va. Et encore, je crois qu'il y a une grosse bataille qui se prépare à Kaer Andros. Et ouais, il me semble que c'était compliqué dans le sud. Ah, Berthe au grand Sgeg! Alors! Le chat, vous voyez bien? Les images, c'est bon? Vous avez le jeu? Comme dit, j'ai bidouillé tout à l'arrache pour que ça fonctionne. Je suis pas sur mon setup habituel. Ouais, ok, parfait. Bon. Ici j'ai trois généraux, là je pourrais... Il faudrait que je renvoie des généraux dans le sud. Ah ouais, là je vais avoir une grosse attaque. Ouh, les Black Uruguay, oh là là là, ouais. Il y a deux Nazgûl ici, aïe 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 aïe. Là-haut on fait toujours le siège se passe bien 6 tours. On a une superbe armée ici, mais qui me coûte horriblement cher. Et la situation dans le sud c'est compliqué, avec l'Inihir qui est tombée, on a des armées Varia qui sont parties vers Bréthil, mais j'ai quand même des renforts qui arrivent. J'ai des gardes de la Fontaine qui sont arrivés. J'espère que ça va tenir ici en ville. Il y a des sacrées unités de cavalerie là. On a ici, ça attaque aussi. Mais ouais, ouais, bah, j'ai des troupes un peu partout. Hein. On a levé de la racaille, on a des généraux. Ici, j'ai une belle armée. Mais je manque de général. Et là, on a une... Oh, regardez ça. Ça picote quand même. Hein. Je voudrais bien qu'ils viennent attaquer un fort. Plutôt. Un fort, ça serait cool. Et là, dans le sud, bah, l'Inhir a été... Je serais tenté de tenter une petite attaque. De prendre un peu de troupes, là, et de... Vous voyez, de... Est-ce qu'on n'irait pas taquiner l'Inhir? Est-ce que ça défend? Ouais, je pense que ça défend. Vous savez quoi? Je vais essayer d'aller attaquer l'Inhir. Voilà, juste pour faire le siège. 8 tours. Peut-être que ça attirera des troupes. Et on va faire le gros dos. Le temps que les renforts arrivent. Et... On passe au tour. Le Variag, il a bouffé les autres au sud. Non, 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 le Variag est allié aux autres au sud. Ils s'entendent très bien, tout ce petit monde. Je crois que t'as pas mis d'engins de siège. Je suis pas là pour mettre des engins de siège. Je vais pas attaquer la ville avec ça. Oh, le... Attendez, 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 attendez. J'entends la musique du Seigneur des Anneaux. Au pire moment. Et c'est pas les effets. Ça, c'est la musique. Ça, c'est moi qui ai fait de la merde avec... Oh, et l'autre qui attaque. Je peux pas le taper pendant le passage de tour. Ça va faire planter le jeu. Terrible. Faut que je fasse du bruit. Oh là là. Oh, laissez-moi jouer. Ben ouais, il faut que je coupe le son. Chante, Pépé, chante! J'aimerais chanter, mais le jeu là qui me... Oh, et le Variag qui va m'attaquer. Le Variag qui va m'attaquer. Ah là là, allez, je dois faire du bruit pour couvrir le bruit de la musique. On en est là. Oh là là là, je vais me faire attaquer en force là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ah ouais, ouais, ouh là là. Est-ce que je peux me replier au moins? Je peux me barrer. Allez, casse-toi. Oh, je vais me faire casser la gueule. Non, c'est bon. Non, non, m'attaque pas. Ok, c'est bon. Je vais pouvoir alt-tab. Je vais alt-tab. Forcément, il m'avait pas supprimé la musique du Seigneur des Anneaux. Quel enfer. Remove selected. Ah, putain. Hop. Quel enfer. Voilà, cette fois c'est bon. Ben ouais. Hop. Hop. On y retourne. Il parle beaucoup, Pépé. C'était pour couvrir le son de la musique du Seigneur Zano. Tu sais que moi je me fais... YouTube me tombe dessus si je fais ça. J'en prends plein le fion. J'entends aucune musique. Moi je l'entends. Bon. J'ai survécu au tour. Par contre, on est attaqué de partout. Hein.
On est attaqué de partout. Faut survivre, hein. Pas le choix. Hein. Alors, ici, mine de rien, on l'a forcé à lever le siège. Là, j'ai aucun général. Je vais retourner me cacher. Là, on est sous siège. Mais où tu vas, toi? Mais moi, j'amène d'armée, hein. Moi, je fonce, là. Je vais même... Là, j'ai deux généraux. Est-ce que je pourrais pas prendre un général en panique? Hop! Et essayer de le faire rejoindre l'armée. Oh là là, regardez, on fait des moves. J'ai pas de thunes. Alors là, il y a un coup à jouer. Là, il y a un coup à jouer. En faisant ça. En faisant ça. Garde de la fontaine. Ça s'attaque. Ça s'attaque en terrain ouvert. Oh, mais regardez ce qu'il y a dans l'armée. Ah. On en parle, là. Double charge. J'ai même pas envie d'y aller. J'ai même pas envie d'y aller. Bon, là, j'ai des renforts qui arrivent. C'est parti. Voilà. Benito! Merci, mec. Trois assassins, des chars. Au secours, hein. Au secours, hein. Et là, je suis attaqué. Il n'y a pas de grande bête. Il y a beaucoup de T2. Là, je suis toujours sous siège. Et là, il m'a envoyé ses armées. On va peut-être avoir bataille avec Hologai à Kerandros. Si j'arrivais à éliminer ces trois armées du Mordor, ça nous mettrait particulièrement bien, je vous le cache pas. Mais là, c'est un peu complicado. Là, j'ai des renforts qui arrivent de longue distance. Vu que l'Isengard est plus là, on a levé les menaces. Oh là là, j'ai plus de thunes. Je n'ai plus d'argent. Je perds de l'argent, vous vous rendez compte? Je perds des thunes, tellement je prends de sièges dans la tronche simultanée. Tour suivant. Ça sent la Gephrag, la Vrithil, putain. C'est quoi cet humour de merde, là? Je suis en train de me faire refaire l'anus, justement. Tu vois le truc? Ouais, alors, c'est pas les Oelfes que je joue, hein. C'est les elfes sylvains de Tranduil. Ok, bataille à Kerandros, ça. Y a de la grande bête, ça va peut-être être buggé. Quoi qu'il arrive, il sera sous mes tours et on va le sabater. Faisons le magnifique 3 points. Il faut déracaliser la terre du milieu. Voilà, et hop, démonétisation. Ouais, écoute, ça sera pas la première fois que je suis démonétisé. Systématiquement. Medieval 2, Run du Gondor, ça passe à la review YouTube. Tout le temps. Dommage que Fistion est mort. C'est très très dommage que Fistion soit mort. Là, j'ai énormément d'archers. On va se régaler. Je les mettrai sur les murs. On va voir si avec le bélier... On va voir ce qu'il va faire. S'il y a des grandes bêtes, il est peut-être buggé. Je vous cache pas que ça ferait mes affaires. Hein. S'il est buggé, je me débarrasse d'un stack. Vu le nombre d'archers que j'ai, je vais lui en mettre plein le boule. On va mettre les piques au cas où, même si je pense pas que ce soit utile. Voilà, les archers, les miliciens, comme ça, allez, fais pas ta difficile, voilà, voilà, parfait. Allez, on y retourne. Les archers sur le piton rocher à droite de la pente. Sur le piton rocheux à droite de la pente. Ici? C'est-à-dire que tu peux mettre des archers sur le piton rocheux à droite de la pente du fonf. Ici? Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, comme ça? Ouais, je sais pas si... Ouais, tant pis. C'est pas grave. Bon, ici. J'ai une phalange, de rien. C'est pas top top ce que j'ai là en def, mais ça va tenir la baraque. Le but, comme d'hab, c'est de laisser les archers bosser. Comme ça, mon général. L'infanterie. Je suis même pas sûr qu'il arrive à percer les murs. Il va peut-être être buggé, tout simplement. Ah, j'ai pas tant que ça de troupes, hein. Ma défense, elle est plutôt légère, hein. Alors, est-ce qu'il est buggé? Je pense qu'il est buggé, les gars. Je pense qu'il est buggé. Pas de bélier. On va se régaler.
Oh, on va se régaler. Allez, j'amène les archers. Comme ça. On va se régaler. Un free stack. Ah là 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 là, je suis content, hein. Pépé l'exploit. Regardez les hologuys et tout. Allez, viens sous les tours, camarade. Voilà. Allez. Alors, moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Attendez. N'y pense même pas, là. Rassurez-moi, il est bugué, hein. Les béliers vont venir quand les grandes bêtes vont mourir. Justement, on va essayer d'en faire le maximum de DPS avant. Oh, pas de pitié, hein. Il y a déjà 1% de perte. Parfait, là les balises tirent pas dans les grandes bêtes. Excellent, le but c'est de manger tout ça. Allez, les archers qui arrivent. Alors, on l'aime ce bug des grandes bêtes, hein. Les grandes bêtes, on veut pas trop les affronter en terrain ouvert. Mais on est content quand... on est content quand ça... Voilà, quand on défend, quoi. J'ai aussi droit à bonheur. Ça, c'est un bug, hein, qu'ils ont jamais résolu. Hein. Je sais pas à quoi, c'est du déca des grandes bêtes. Ça plante. Tant mieux, hein. Allez, on va tirer dans le tas. Les volontés de Sauron. Allez, hop. Oh là là, comment ils sont buggés. Oh là là. Allez, tire dans le tas, là. C'est parti. Voilà, allez. C'est pas facile, la campagne Gondor en 5.0. Moi, j'avais fait quelques tests avant de faire un bon start. L'IA rush Kerandros comme une grosse bourrin. Oh là là, allez, les archers buggés, là. Allez, bouge! Oh là, j'en peux plus le pathfinding. Hein. Les gens qui ont codé ça. Creative Assembly, hein, à son heure de gloire. Hein. Eh, il refuse le déplacement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez! Il refuse. Terrible. Terrible, et si je fais ça? Est-ce qu'il va? Et là, il le fait. Oh là là, c'est indécent. Attendez, hop, comme ça. Hop. Et on tire là-dedans. Voilà. Démerde-toi. Et ici, on va faire ça. Voilà, c'est bon. Voilà, on fait des pertes, regardez, 6% de pertes. Ah, si on tue pas les grandes bêtes. On fait du kill. Allez, désingue-moi tout ça. Je vais même amener ça là, vous savez, comme ça là. Allez hop, hop, tous les archers. C'est parti. On amène tout. Allez, les volontés de Sauron, on les découpe. Carte de Moranon. Ouais, j'essaie de manger les T3 en priorité. Allez, là ça fond aussi. Allez, on envoie la sauce. Hein. 15% de perte, pas de bataille. C'est cadeau, hein. Allez, envoie-moi la savate là-dedans, là. Tire loin. On s'en fout que ça touche ou que ça touche pas. On va juste tirer dans le tas. Voilà. Voilà. Allez, hop.
Avec ce bug des grandes bêtes, t'es content, hein? Quand t'as ce bug des grandes bêtes et que tu peux manger un stack, hein. Voilà, 22% de perte. Voilà. T'es vitesse fois 6, maintenant on attend. Hein. On va laisser les... Tu vas pas un tir direct, je m'en fous. Ah bah c'est l'heure de la CAF, là, c'est le premier du mois. J'aurais aimé à tuer quelques grandes bêtes et quelques hologaïs, mais visiblement, les balises veulent pas tirer dedans. 31%, 32%, t'es... Ah ici, ça pète la forme, hein. On a un bug de grandes bêtes à Kerandros, c'est un stack quand même assez important. On va le sécher tranquillement. J'ai déjà plus d'archers. On a tout tiré, on se barre. Allez hop. On espère qu'on va pas avoir un affreux bug où les portes s'ouvriraient à la fin. Ça me mettrait dans le mal. Je vais quand même laisser à proximité peut-être que les tours s'activent. Voilà, 36% de perte. C'est un bon trade. Oh, l'unité ici, elle a fondu, hein. L'unité d'Uruk, là. Je sais pas ce qu'on tue, là, mais ça tue. Quand je me rappelle des dégâts sur Attila, où c'était Rome 2, les tours qui faisaient rien. Ou c'était Rome 2 DEI, les tours qui faisaient pas de dégâts. Ah, là, ça envoie. Imaginez si on avait les mêmes tours dans Rome 2 DEI. C'est incroyable. Il y a des grandes bêtes, on sent. Ouais, les grandes bêtes. En fait, il y a des tirs de balistes qui passent dans les Uruk. Et ça touche les grandes bêtes. Donc, des fois, les grandes bêtes sont en sang. Voilà, regardez, on les voit tomber là. 28. Il n'y a plus que 13 volontés de Sauron. 27. 26. Allez, il reste du temps. On va peut-être réussir à tuer les grandes bêtes. La question c'est comment il va réussir à recompléter ses pertes, vous pensez? Écoutez, moi je prends, hein. Vu ce que les variags me mettent, je suis désespéré. Hein. N'importe quel petit exploit est bon à prendre. C'est pas de ma faute si le jeu est codé avec le cul, d'accord? Je vais pas sortir de la forteresse pour être honnête. Je prends tout. De perte, c'est honorable. Bon, j'ai pas eu de grandes bêtes malheureusement. Vous avez vu comment ça tank les grandes bêtes? Ah si, il y a des grandes bêtes qui sont tombées. Ils sont plus que... Ah non, 35. C'est les Uruk qui se font découper derrière. La question c'est qu'est-ce qu'il va réussir à recompléter comme perte. Il va pas réussir à recompléter tout ça quand même. Le Varak t'a pris d'autres villes? Non, mais c'est compliqué. Il fait le siège de deux autres villes. Et en tout, j'ai... 1, 2, 3, j'ai 5 villes sous siège et ça me sabre mon income en fait. C'est techniquement pas de l'exploit vu que techniquement tu ne fais rien pour faire bugger le jeu, absolument, Volt. C'est pas de ma faute. Et je vais pas sortir de la forteresse pour faire plaisir quoi. Grande bête hologai, je me fais casser le boule. Tu l'as juste brain, non, c'est codé avec le cul. Hein. D'ailleurs, UC a été bloqué par mon automode, je ne sais pas pourquoi. Désolé, mais je vois le message. C'est codé avec le cul. À la base, Medieval 2, il n'y a pas de créature comme ça, en fait. Donc ça doit être considéré comme une créature de siège, comme une arme, dans le codage du jeu, ça doit être considéré comme une arme de siège. Et le jeu, en fait, l'IA considère que ça peut ouvrir des portes, alors que c'est pas le cas. Sauron qui se demande pourquoi ces armées sont bousillées à chaque fois, putain. Attends de voir mon spectacle de marionnettes demain. Y'a de ça. Si, y'a les éléphants. Ah ouais? C'est vrai que dans Met 2, y'a les éléphants, absolument. Avec les Timurides. Ils ont même les éléphants à bombarde. Ça marchait bien, ça, les éléphants à bombarde, dans Met 2. Y'avait les éléphants avec les canons dessus. Ça marchait bien, ça. Les éléphants...
J'ai pas le souvenir d'avoir joué les Timurides ou d'avoir les avoir affrontés. Ils arrivaient bien après les Mongols. Oh là là, 50% de perte. On prend, hein. C'est complètement fumé, les éléphants à canon. Les éléphants étaient vraiment cons d'en mettre deux, ok. Ah, les attaques mongoles. Eh, ça faisait peur, hein. Moi, je me rappelle quand les Mongols arrivaient, hein. Ils ont essayé de refaire ça dans Warhammer avec le chaos, mais il n'y a pas la même vibe. Vraiment, quand les Mongols arrivaient, Mongol Invasion, je peux te dire que là, quand t'étais Seljukid, tu faisais un colossal prout. Tu vois ? T'étais obligé de te retrancher dans tes villes avec le Mongol et puis t'espérer, quoi. Allez, 50% de perte, 50% de perte, on prend. On n'a pas tué une seule grande bête, mais au moins, on a un régiment entier là qui a disparu. Hey, les balistes ont fait mal, hein. Les balistes ont fait mal, regardez les pertes. On prend 50% de perte, c'est un demi-stack en moins, plus d'un demi-stack. On n'a pas eu d'hologai ni rien, mais ça me va. C'est les pieux des archers, ouais, ouais. Quand le 1 débarque, ouais, c'est pas mal aussi, ouais, ouais, le 1 était terrible. Mais ça, c'était les vieux Total War, il y avait une vibe où... aujourd'hui, ils n'arrivent plus à faire ça. Je dis avec Warhammer, le chaos il est plus chiant qu'autre chose. Ouais, le chaos, mais c'est le même principe, le chaos dans Warhammer. Écoutez, perte limitée. On l'a croqué, on prend. Ah, c'est des bons souvenirs ça, Mètre 2. Hein. Ça donne envie de rejouer à Mètre 2, vous savez. Mètre 2 est un bon jeu. Mais Turc et Byzantin, c'est trop chaud. Turc, Seljukid. Les Seljukid, c'était affreux. Seljukid, t'avais 6 stacks mongols qui arrivaient, t'étais là. Prout. Comment tu faisais en tant que Seljukid pour repousser les mongols? Allez, regardez Akerondros. Stack en moins. Oh là là, oh là là. C'est Galpin qui défend. Oh là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bataille ici. Avec Galpin, mon champion. C'est parti, bataille. Il y a pas de grande bête. Je me rappelle de la strat ici. On avait une bonne strat. J'avais fait une World Conquest. Ah ouais, bah, Mètre 2 était peut-être un peu facile. Quand vous y repensez. Ah, oh, je pète la forme, Racingman. Hein. Mètre 2 était peut-être un peu facile. La vanille aujourd'hui de Mètre 2. Regardez, là, je me rappelle, on avait des excellentes positions de tir pour les archers. Comme ça. Voilà, vous vous rappelez, on avait trouvé ça. Comme ça. Comme ça. Et là, on va défendre. On avait une section de phalange qui va tenir le merdier. Mes généraux, Galpin en tête, pour tenir ici. Et de l'infanterie. Infanterie du Gondor. Voilà. Ma compo est simple. Et on espère efficace. C'est parti. La caverne, ah oui, non, mais quand t'as du chevalier, là, mama, t'as un pack de texture. Je suis sur le mode EUR, donc je crois que oui. Je pense qu'il y a un petit pack de texture, ouais. Même sur la carte, tu peux aussi l'avoir dans DAC de base, quand tu as le menu de DAC, t'as aussi cette carte-là. Les gendarmes français, oh, je me rappelle, les gendarmes, c'était un dessin moins fort. Allez, hop, feu à volonté. Là, il y a du Black Uruk. On va sabater tout ça. On va essayer de faire quelques pertes. Et après, on va compter sur Galpin. On a quand même quelques belles troupes. Hein. Allez, on accueille. Il y a aucun général, hein. Ça va vite tomber ici. Hein. Voilà, quelques pertes. Cessez le feu, on va attendre que le reste arrive. Là, on a de l'XP, on a upgrade d'attaque. On va les tomber, là, il y a toute la racaille qui arrive, le reste. Désolé, Korax, ton message a été bloqué pour TAR. Ça
ça veut dire autre chose en anglais et Twitch considère que c'est très vulgaire. C'est pas grave, ça tu le prends plus tard, c'est plus important de prendre Bruges et Anvers, absolument. Ok, y'a tout qui arrive. Allez, feu. On va viser les albardiers, eux sont gênants. Allez, c'est parti. Ah, je me suis peut-être trop avancé. Ah ouais, ah non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, voilà. Qu'on upgrade pour ton setup. Oh non, non, pas d'upgrade de setup. Ça coûte beaucoup trop cher, mec. Déjà, les anneaux de pouvoir, c'est beaucoup, hein. 8 épisodes, je pensais pas que déjà les gens seraient motivés pour mon malheur à ce point, hein. Ouais, je me suis un peu mal placé, malheureusement. Voilà, allez, hop, ça envoie. Mais écoute, je préfère acheter des livres que des fringues ou un PC, moi. Les livres, c'est ce qui est le plus important. Allez, ça s'abatte, là, 4% de pertes, ou je prends des pertes aussi, hein. Oh là là, c'est qu'il y a du monde, hein. Allez, 6% de pertes, les archers boss. Ça prouve la toxicité de la commu, mais je l'ai toujours dit, hein. Tu me croyais pas? Je l'ai toujours dit. La version DAC à go avec quelques mois par an, ouais non mais nous faire travailler bon écoute j'ai déjà plein de trucs à tester Déjà la balance. Il faut que le jeu soit balancé, faut pas que le. Oh là, oh là là, oh là. Ok, je vais attaquer ici. Je vais amener mes généraux, pas galpin. Hop. Oh là 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 là. Ok, 15% de perte. Allez, on attaque, c'est déjà dans le jaune. Ah, il y a aussi des archers. 17% de perte. Oh, mes archers bossent bien là, regardez. Et très balancé. Bah écoute, on fera un run prochainement sur ça. J'avais jamais joué à Ago. J'ai jamais joué à Ago parce qu'il y a... Non mais j'ai... Il y a EUR, il y a Ago, enfin il y a tellement de trucs. Hein. Une revanche Goboana, non, on jouera en vanille. Hein. Un jour on en fera une revanche, hein. Mais là j'ai besoin de temps, tu vois, j'ai... La sodomie a fait mal, j'ai encore un peu mal au cul, tu vois. Ouh là là, mais attends, il force ici. Oh là 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 là, là il fait le bourrin, il fait le bourrin, 30% de perte. La revanche. Bah écoute. Oh là là, qu'est-ce que je dérouille là? Qu'est-ce que je dérouille? Il est en train de forcer. Je suis en train de craquer. Je vais envoyer Galpin. Ici, on va venir attaquer son flanc. Là, pareil. Allez. Oh là 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 là. Heureusement qu'il n'y a pas d'Hologai. Matez la masse. Heureusement qu'il n'y a pas d'Hologai ou de Nazgûl. Après c'est trop un fils consécutif, ouais ouais, et les anneaux de pouvoir, tu peux aussi, n'oublie pas les anneaux de pouvoir. Oh là 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 là, j'ai peur de perdre des généraux à cette bataille. Hein. Oh là là, ce qu'il me met là. Il est en train de forcer, je déteste quand l'IA fait ça. Ah, il est en train de passer. On va nous dire sur leur dos, sur la muraille. C'est vrai que je pourrais la prochaine fois mettre une unité ici pour tirer dans le dos, absolument. Très bien vu.
les généraux ils prennent cher, mais lui aussi prend cher. Il a déjà pris, la vie, il a 56% de perte. Oh, il est en train de passer, regardez l'animal! On a eu le capitaine! J'ai cru que c'était un des miens. Alors là, le moral, ça va peut-être tomber. Où tu vas, toi? C'est dans le rouge, allez, lâche! Allez, va dans le tas. Ça fuit. Il y a des unités qui fuient, ça c'est une bonne nouvelle. Il suffit d'une unité qui fuit et il va peut-être entraîner les copains. Allez là, ça lâche. C'est bon, ça lâche. Les prisonniers vont commencer à monter là. Oh, et ça lâche ici. Attends, hop. On laisse rien. Là, on essaie de tout prendre. Hein. Faut pousser là. Oh, les prisonniers, ça monte là. Ouais, bien vu les archers. Le problème c'est que si j'arrivais à libérer Minas Morgul là, à nettoyer les stacks, ça serait incroyable. Oh oui, il se replie pas. Il va mourir sur place là. C'est une carte buggée, allez. Regardez les prisonniers. Il va y laisser toute son armée. C'est bon ça. Oh là là, Galpin est en train de lâcher. Pas de Galpin, toi, hein. Mon champion. 400 prisonniers, oh là 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 là. Allez. Oh là là, j'ai des... Mes unités ont fondu. Hein. Ça va libérer Kerandros de la pression. Ouais, non, le problème c'est que je veux pas prendre Kerandros, figure-toi. Je veux juste faire le blocus de Kerandros. Je veux faire le blocus de la porte noire. Pas la prendre. Même si la prendre, ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour faire le ménage. Il y a des balistes à Kerandros. Genre, est-ce que les... ça tire? Il me semble que oui. Si on peut faire le ménage à Kerandros. Faire le ménage à Moradon. Oui, je voudrais alléger Kerandros et Minas Morgul pour vraiment faire un vrai blocus. Du Mordor, oh, ce qu'on a pris là. On a pris cher quand même, hein. On a pris cher. En soi, défendre Morannon devrait être facile. Et ça me permettrait de décrémer ses stacks. J'ai des gardes de la fontaine et tout. Donc, prendre Morannon. Là, on fait le siège tranquille. Mais je me dis que je suis pas pressé. La priorité, c'est les variables. En soi, le Mordor, là, je le tiens. Hein. On l'a bien bloqué, bien verrouillé. Mais il faut que j'arrive à contenir les variables. Et les variables sont un problème. Hein. Un gros problème. J'exécute, hein. 3600, que du T2. Oh, il revient direct! Direct. Je vais devoir me replier du fort, là. C'est pas tenable. Le Mordor, qui amène un diplomate au secours. Bon, le Variag, qu'est-ce qu'il va faire? Bataille. À Tarnost. Comment je gagne ça? Il y a des unités qui font la gueule, mais c'est de l'élite. Il y a les assassins, les élites du Khan, j'ai dedans un peu d'anti-armure. Ça va être très très dur, je vois pas comment je gagne ça. Oh là là, mais quel enfer, il n'y a pas de garnison sur cet affreux mode. Quel enfer! Je vais devoir essayer de jouer avec les défenses de la ville, avec un peu de chance. On va faire un peu de DPS. Je me rappelle même plus si on a des beaux murs ici. Est-ce qu'on a une vraie ville? Je sais que j'avais beaucoup upgrade les villes. On a quand même des sacrés murs. Il y a... Oh, il va monter avec... ouais, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on peut faire du dégât grâce au mur. On va vraiment jouer sur mes defs. J'ai du gros mur de bouclier. Voilà, mur de bouclier. On va l'accueillir là-haut. J'aurai mes généraux ici contre la cave. J'ai aucun archer. Nada. Là, on va l'accueillir sur les murs avec l'anti-armure. Et l'infanterie. Et là, on va le contenir. Et essayer de le tuer en bas. On va faire un gros pâté.
un gros pâté dégueulasse. Et on va essayer de faire, on va essayer de tenir ici. Voilà. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tour et il vient avec seulement une échelle. On va serrer les fesses. Boum! Allez! Faut que ça cartonne, là. Oh là là, il va prendre d'assaut avec des Variax Swordsman. Je vais prendre très très cher. Maintenant, on va miser sur les tours. Les tours et mes défenses lourdes. Et on va essayer de faire un peu de DPS. Elle est belle, la ville. Oh non, attendez. Oh, le salopard. Ouais, l'IA qui est buggée, toujours sur les murs, je déteste l'IA. Allez. Allez, 143, 142, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Là, j'ai mes miliciens, j'aurai mes généraux derrière. Allez, s'il y a toute la troupe qui passe. Allez, les miliciens. Voilà, ça fait des pertes, ça fait des pertes. 2% de pertes déjà, et c'est des bonnes troupes qui tombent. Faut que tu prennes Morano et la vie dans le marais des morts aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je prenne, mais c'est compliqué. Regardez, là ils sont plus que 136, ça tombe bien. Ok, ça monte. Allez, on fait tout passer au compte-gouttes. Oh là là. Allez, le bélier sous les murs. Les premiers arrivent, on n'est pas en place. Oh, ça, ça fait plaisir. La balise qui a dégagé une échelle. Ah oui, force. Attaque. Terrible. L'IA sur les murs, mais qui a pu coder ça aussi mal? On est en droit de se le demander. Allez, ici, la bataille va commencer. On a déjà fait 8% de pertes. Face à la qualité de l'armée en face, c'est énorme. Ici, ça tombe bien, 192, voilà, on les découpe. Il y a de l'anti-armure dans le tas. Il me semble qu'il y avait un général dans cette armée. Hein. Le chat, vous vous rappelez s'il y avait un général dans cette armée? Tu comptes faire une revanche un jour? Bah, le problème, c'est que ça manque vite de souffle, le match bleu. Le match bleu. J'avais fait un chouette run, mais après, t'as vite fait le tour, en fait. Allez, ici c'est encerclé, on fait du DPS, il y a tout qui va se mettre en route, il y a du bon monde, hein. Il y a du bon monde et j'ai pas forcément de la qualité pour les accueillir, j'ai du milicien, crado. Là, il y a du lourd, mais ils sont moins nombreux. Allez, on y va. C'est parti. Ok, là ils sont 70. Oh là là, les pertes vont commencer à monter maintenant. La cavalerie qui est là. Oh, il envoie les assassins sur le mur. Oh, la cata. Alors ça c'est la catastrophe. Hein. Les assassins dans le mur, là, qui vont arriver comme des zinzins. Oh là là. Oh, allez. Oh là 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 là. Je sais même pas comment je vais gagner ça. Regardez les pertes que je prends. Je me fais laver par les assassins là. Oh, ici 58, ça va tenir jusqu'à plus soif. Et les assassins. Eh, on vient de se faire le général, les gars. Ça va peut-être avoir son importance au niveau du moral. Si ça tient, si je tiens suffisamment longtemps, j'ai quand même beaucoup de troupes. Hein. Mais je me fais laver. Hein. Oh, allez, lâche ici, lâche.
Il est dans le rouge. Allez, 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 allez. Voilà, ici, ça tient bien. Mes généraux vont quand même bien bosser. Ouais, c'est de l'élite, hein. Moi, je suis en T1. Il est en T3. Là, mon perse armure, il va bosser aussi. 32, 31. Allez, faut me le découper, là. Ouais, mais il y a des cornes Elite Axeman. Ça va découper, mon général. Ouais, les variables, là, les stacks de Kend, ils sont terribles. Hein. Je n'étais pas habitué à ça. C'est ce que je reproche. Oh, ça fuit! Ça fuit! Ça fuit! Allez! Maintenant, il faut que je me débarrasse des assassins. Eux vont être durs à gérer. Oh là 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 là, mon général se fait découper par les hacheurs lourds. Mais il y a des unités dans le jaune. On le tient, on le tient. 56 à 38. On va peut-être. Si j'arrive à. Il faut que ça tienne pour le moral. Les assassins, ils vont jamais fuir. Ici, il faut que je dégage de là. Je vais forcer le passage. Toi. Voilà, je vais forcer le passage dans les assassins. J'amène l'anti-armure au contact. Voilà. L'anti-armure dans les assassins. Allez, je fais le bourrin, regardez. Tout l'anti-armure. Chopez-les. Allez, allez, mais tuez-les. Ça tombe même pas. Ça tombe même pas. Je lui fais rien. Ils sont intuables, les assassins. 23, j'en ai eu un. 22, ça tombe. Ça tombe pas. C'est terrible. Regardez ce qu'il me met. Il me one-shot tous mes mecs. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ça sent le sapin. Oh, youpla. C'est bien, ça va y avoir temps. Bah écoute, tant mieux, c'était apprécié. C'était cool à faire. Je sais pas combien de temps ça va tenir. J'arrive pas à me débarrasser de ces 20 assassins ici. Regardez, c'est intuable ces machins. Gage bien. C'est littéralement le meilleur endroit pour les mettre. Ça va tanker éternellement. J'ai que du T1. Et là, bah, mes mecs vont lâcher à fur et à mesure. Y'a rien que je puisse faire. Je vais attendre. Je vais espérer. Espérer que le moral tombe. Il a son moral dans le jaune. Oh mais les assassins. Non mais vous savez que les assassins ils vont peut-être tout tuer là-haut. Les assassins, il y a un monde où ils vont tout tuer. Hein. Regardez, je leur fais rien. Ils mangent tous mes mecs à la queue leu-leu. C'est absurdément fort. Et mes mecs lâchent. Ton général va venir. Non, il va pas tenir. Mais regarde, c'est les mecs qui lâchent. Putain. C'est le Varyag est plus dangereux que le Mordor, quoi. Ouais, rien que je puisse faire. Mais le mode est ridicule, hein. Je suis désolé, hein. Moi, je trouve le mode ridicule. Hein. Au niveau de. Il y a trop d'unités super OP, en fait. Ma dose. Je me suis fait casser la gueule, je perds une autre ville. Je vais ramener tout au sud, je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux, parce que j'ai aussi le Mordor à gérer en même temps, et le Mordor, il a encore des stacks, et il a encore des sacrées armées, quoi. Et c'est ce que je dis depuis toujours, que le mode est pas balancé, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'y jouer. Et il y en a, ils sont là, oh, le mode est incroyable. Non, le mode est pas incroyable, il y a des bonnes idées, mais le mode est pas balancé. Moi, j'aime pas l'idée que toutes les factions soient super complètes et super OP. Tu pourras monter le HS Bagration. T'as pas l'impression que j'ai autre chose à foutre, là? Je me fais casser la gueule! Et l'autre, on fait monter le HS Bagration. Putain!
Je me fais défoncer, l'autre vient me faire chier, quoi. T'avais qu'à être à l'heure me demander pendant le... Pendant le machin, là. Incroyable. Le mec, il va m'envoyer un texto à 2h du mat. Pépé, tu peux monter le... Toute ma version, s'il te plaît. Oh là là, et ça continue! Ouais. Bon. La bagarre. Normalement, il y a un seul stack qui va arriver. Vous connaissez la routine. Et là ça rigole pas. C'est des troupes de numénoréennes. De numénoréens noirs. Ça va faire du bobo. Voilà. Ah, c'est le jeu, hein. On fait avec. Mais j'avoue que je pensais pas galérer contre le Variag, quoi. C'est une très mauvaise surprise de voir le Variag plus fort. Le Variag est plus fort que le Bordeaux. On en est là, vraiment. Ouais, on va faire ça. Ok. Tout est là. Non. Unité en réserve ici. C'est parti. Trop drôle quand tu es salé. Fais gaffe, toi. Fais gaffe. Hein. Ah oui. Oh, attendez, c'est que ça arrive vite, là. Oh, de la light cave, ok. Ça, c'est bon. On va les découper. Allez, voilà. Venez vous empaler, là. Les mercenaires. Arpharazon Noble. Ça, ça doit être le général. Genre, j'ai mis dans la vanille le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de caves chez... Il n'y a pas beaucoup de caves chez Ardunay. Maintenant, ils ont leur général en cave lourde et tout. Oh, il y a toute l'infanterie qui arrive là-bas à mater le nuage. Le jeu est beau quand même. Non, mais il est gentil, mais le mec il vient me dire Pépé, ouvre ta liste War Tank et fais remonter le machin. Attends, je suis en train de me faire casser la gueule, j'ai rien d'ouvert, j'en chie déjà pour Altabé. Et non, les gars, vous voulez votre foutu War Tank ou Warbird, vous arrivez à l'heure pour le War Tank ou le Warbird, sinon ça attend la semaine prochaine. Facile. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous allez voir la partie. C'est autre chose. C'est la vie, hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais 2 est pourri pour le tabou, oui, c'est un vieux jeu. C'est un très vieux jeu. Bon bah c'est parti, hein. Il y a beaucoup de troupes qui arrivent. Mais si j'arrive à me débarrasser de ce stack, je pourrais peut-être me débarrasser de l'autre. Ou alors peut-être faire des... faire des prisonniers, rançonnés. Ça c'est le général, on s'en fout. On va taper dans le tas. Voilà. Oh là là, ici, là, j'ai un peu avancé. Tiens, si je vous fais quelque chose. Tu viens de louper une terrible bataille, le Variag est en train d'avancer en... Le Variag est en train d'avancer dans le Gondor. Il vient de me casser la gueule après une terrible bataille. Je sais pas comment tu fais pour gagner ton cap. Non, ça va, le mec, il est pas non plus méchant. Il est juste chiant, quoi. Il y a toujours des gens chiants. C'est la vie. Voilà. Oh,
Je vous cache pas que je vais être content de retrouver mes elfes demain soir. Toujours par le sud, ouais, toujours par le sud. Mes elfes, ça se passe bien. Pour une fois que j'ai un run qui se passe bien, je prends du plaisir, je m'amuse. Là, je subis. Ah, y'en a un qui m'a dit, ouais, mais c'est facile quand il y a des garnisons. Bah ouais, mais bon, j'ai envie de m'amuser aussi, moi. Alors, là, il y a du monde encore qui arrive. C'est parti. Oh, les archers qui viennent se jeter. Les archers qui viennent se jeter sur mes phalangistes. Ça, on prend ces cadeaux. Ok, là, il y a les cohortes numénoréennes qui arrivent. Là, ça rigole plus. Tu vas faire la fusion avec la Lorienne. Mais en fait, je me rappelle plus dans la vanille. Je me rappelle plus dans la vanille exactement c'est quoi. La fusion, c'est pas la vanille. Hein. C'est EER. Par contre, dans la vanille, tu récupères le roster de T2, T3, je crois. Allez, il n'y a plus de flèches dans le tas. Oh là 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 là, matez tout ce qui arrive. Ok, ici, je vais pas encore activer l'attaque. Là, on a les cohortes numénoréennes qui sont là. Les shield guard. Allez, on les sabate. Pour l'instant, la ligne tient. Au niveau des pertes, on leur fait mal. Ok, ça va commencer à pousser, je crois. Ouais, 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 ça pousse, allez, c'est parti. À mon tour, placer à l'attaque. Eh, hey, mes phalangistes avec des galons d'or, c'est quand même chouette, hein. Là, le but, c'est de le laisser avancer pour pouvoir faire des prisonniers, hein. C'est un bon... Il me semble qu'il paye, hein. C'est un très très bon payeur. Il y a le général qui est là-bas, je vais essayer d'aller le choper avec mes généraux. On va faire le tour comme d'habitude, regardez là. Le général, il est là. Faut que j'arrive à tuer le général. Un coup de soin de soin. Tu la gagnes celle-là? Ouais, ouais, j'espère que je vais la gagner celle-là, ouais. Ça serait bien, ouais. En tout cas, les chiffres sont bons. 2% de perte, 12% de perte, là. On est pas mal. Ouais, c'est dans le mode EUR où tu fais la fusion avec la Lothlorienne. Je crois que j'avais fait la fusion quand j'avais joué mon elfe Sylvain, un vote que j'avais échoué encore. Un de plus. Allez, là j'ai peut-être réussi à tuer le général. Où est le général? Le général, le général, le général. Je sais pas où est le général, mais là, on est en train de. Général contre général, on est en train de faire tomber l'unité là, ça tombe vite. Oh là là, il y a du monde. Hein. Oh là là, il y a du monde. Hein. Je vais amener de l'infanterie, les réserves. On va injecter les généraux dans la bataille. On va essayer de faire un encerclement par là-bas. Parti. Un run avec le roux. Non, pas vraiment. Allez, afuera. Ça dégage. Ça fuit déjà, des unités à 100. Il y a des unités à 100 qui fuient là. Oh là là, oh là là. Oh là là, regardez les prisonniers. Regardez les prisonniers, ça va monter très très vite, hein. La mort du général vient de provoquer un désastre pour lui. On va se régaler et j'espère que on va pouvoir rançonner. Oh là 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 là, le régal. Regardez les prisonniers. J'ai besoin d'argent, hein, je rançonne. Il y en a des centaines! Et c'est pas de la merde! Il fuit à 82 là, allez pas me chercher tout ça! Ah, il n'y a pas de QR code, ça connaît pas Monsieur Larcher, et bah. Et voilà! Fais hein. Gaffe, l'artillerie, t'inquiète. Allez loin, tiens. Oh là là, on va être peut-être à 1500 prisonniers. Magnifique.
On se régale, hein. J'ai un peu le droit au bonheur ce soir, hein. Je me fais un peu casser la gueule. Hein. Il est aux anneaux de pouvoir. Non, non, on veut pas les anneaux de pouvoir dans DAC. Non. Non, on va éviter. De toute façon, les anneaux de pouvoir sont au deuxième âge. Leur deuxième âge à eux. Donc c'est même pas la bonne timeline pour DAC. Donc rien à voir. Oh là là, 1000 prisonniers, regardez-moi tout ça. Il y a encore tout ça à prendre. Les archers là-bas, qui vont bientôt lâcher. Et après ça, on pourra se faire une petite FAQ tranquille. Voilà, allez hop. Magnifique. Et hop, on prend tout. Tout lâche. On va aller attaquer les unités. Donc je vais juste laisser mes deux généraux faire le travail. Voilà, tout lâche. Je vais pas avancer trop, il y a des katas en face. Voilà, 1200 prisonniers. Le premier âge est trop gros pour être adapté d'une quelconque façon. Je veux pas voir d'adaptation du premier âge. En général, tous ces gros univers, ils sont durs à adapter. Ce qu'a fait Jackson, c'est assez incroyable d'avoir fait une bonne adaptation. Mais les Anneaux de Pouvoir sont une mauvaise adaptation. C'est dur d'adapter le Seigneur des Anneaux. Et le premier âge serait encore plus difficile, je pense. Donc faut peut-être pas trop y toucher. C'est comme Warhammer. Warhammer 40 000, c'est très dur à adapter. Surtout si vous le faites pas pour des fans du Seigneur... Pas pour des fans de Warhammer, vous voyez. C'est ce qu'on disait, on avait cette conversation sur Discord. Le Seigneur des Anneaux de Jackson... Tout le monde peut le regarder, ce qui est assez incroyable, et tout le monde va l'aimer. Alors que c'est assez dingue quand vous dites que c'est des gens qui connaissaient pas le Seigneur des Anneaux. Warhammer, c'est pareil. C'est très difficile de faire une bonne adaptation de Warhammer où tout le monde va être content. Même sur DAC, tu vas avoir du mal à adapter le... Comment tu fais pour mettre Morgoth, les dragons et tout? Dans le premier âge, c'est dur d'adapter le premier âge. Peut-être tu auras une belle carte de Beleriand et tout, mais c'est pas facile d'adapter le premier âge. Le deuxième âge est plus facile, je pense, à adapter. Avec Numenor, tu peux même faire des sous-factions numénoréennes coloniales. Tu peux faire les 2-3 factions elfes, tu peux faire les hommes sauvages. Selon où t'es au deuxième âge, tu peux mettre les nains, sans problème 2-3 royaumes nains. Tu peux mettre le Mordor. Le deuxième âge serait parfait à mettre sur DAC. Ungoliant, le pauvre moteur de jeu de Medieval 2, il est pas fait pour avoir des dieux, hein. Déjà que c'est dur de mettre des hologailles, alors des dieux. L'armée IA bouge. Non, elle bouge pas, par tas de malheur. Allez, buguer, t'inquiète. Ne la regarde pas, sa vue est basée sur le mouvement, l'IA, hein. À jouer Numenor à sa pleine puissance, mais y a aucun intérêt. Parce que Numenor est imbattable à sa pleine puissance. Rien à voir avec les anneaux de pouvoir, là, les clodos de Numenorien des anneaux de pouvoir. Rien à voir avec ça. Numenor à sa pleine puissance, ça solote toute la terre du milieu d'un claquement de doigts. Il n'y a pas d'opposition. Tout vient de Tolkien. Bah ouais, hein. À 99%. Bon bah on est bien, 1200 prisonniers. Il y avait pas mal de troupes d'élite là-dedans. Eh, ça vaut 5000 de thunes, je pense. Hein. Un bon 5000 de thunas qu'on va faire en rançon. J'espère que je pourrai demander une rançon. Quoi dans Medieval 2? Ouais, je sais pas. Hein. C'est Numenor. C'est vrai que Numenor qui se pointe en mode... Numenor vient pour couper les arbres et vous avez les forêts qui disparaissent. Les forêts qui disparaissent dans des zones. C'est Numenor à couper les forêts de la Terre du Milieu. On a du mal à imaginer les forêts de Fangorn, la vieille forêt dans la comté. C'est ce que les Numenoréens n'ont pas coupé, vous voyez. Les Numenoréens ont cassé des peuples entiers pour récupérer les forêts et les ressources. Alors forcément, quand je vois les espèces d'isolationnistes dans les Anneaux de Pouvoir, je rigole un peu quand même, quoi. Parce que si c'est le deuxième âge de Ar-Pharazôn,
Numénor, bah, c'est une nation coloniale qui s'est étendue sur toutes les côtes de Terre du Milieu. Bah, fallait bien faire des bateaux, mais c'est ça. Fallait faire des bateaux. Fallait faire les grandes armadas de Numénor. Ouais, peut-être qu'on fera un run avec le Harad pour sortir des grosses bêtes, des éléphants, là. Et de gros éléphants, des éléphants, c'est cool. C'est l'Angleterre, quoi. Hey, y'a de ça, ouais. Y'a un peu de ça, ouais, avec Numénor. Mais bon, Numénor, c'est long, en fait. Et c'est le problème des anneaux de pouvoir, c'est qu'ils ont pas réussi à... On sait pas de quel Numénor ils parlent, en fait. C'est une Numénor du tout début de Numénor, mais avec... dans la situation géopolitique de... Enfin, j'y comprends rien. C'est Ar-Pharazôn, normalement, c'est la fin de Numénor. Hein. Et Ar-Pharazôn, il est là, il naît 1500 ans après que les anneaux de pouvoir aient été forgés. Leur timeline ne fait absolument aucun sens. Comme toujours. C'est pas les gars... C'est pas, non, Numénor, ils sont pas sympas, hein. Ils cassent des genoux, Numénor. Hein. Le Mordor, c'est la France, ouais, y a un peu de ça, ouais. Y a un peu de ça, ouais. Ok. Est-ce qu'ils payent la rançon? Je pense que oui, parce que je crois qu'il y a un bateau, mais il y a encore un autre stack qui attend derrière. Les mecs prennent des tickets. The day is over, and both sides have been tested, and we have won. Bah ouais, mais pour ça, il faut de la créativité, il faut de l'inventivité, et ils ont pas ça. T'as vu le nouveau jeu Sipper? Non, tiens, absolument pas. Je sais même pas de quoi tu parles. 84 pertes, c'est pas... Ouais, ouais, on a fait une belle bataille. Et on va peut-être réussir à faire plein de thunes. Hein, j'ai besoin de moula. Oh là 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 là, 7000. Oh mais non, mais regardez les stacks! Les stacks de l'enfer, j'ai pas d'argent! Bon, attendez, ici... Ici, on va aller faire la bataille. Ici, on va aller faire la bataille, j'ai pas le choix. Là, je vais faire ça. Mon général à la tête de l'armée. Voilà. Oh là 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 là... On va faire les engins de siège. Il y a quoi dans la ville là? Oh, ça va être compliqué à aller chercher. Hein. Peut-être que. Et ici, je vais faire la bataille. Il faut que je dégage ça. C'est de l'élite, certes, mais j'amène une excellente armée aussi. Allez, bataille, c'est parti. La bagarre, les gars. Les Variags ont rejoint son. Oh, il n'aura pas trop laissé le choix. Hein. T'es pas bien sur ce run, c'est très compliqué. C'est très compliqué, je ramasse. Ok. On va essayer de les faire venir. J'ai double pic. Double pic. On va essayer de les bait sur mes unités. J'ai quand même de l'anti-armure. J'ai les gardes de la fontaine. J'ai une armée particulièrement déter. C'est top tier ce que j'ai en qualité. Oula. J'ai pas la portée. J'ai la portée. Feu. Voilà, dans les assassins. Allez, on va les bait. On va les bait sur les piques. Bon, allez, venez sur les piques, les gars. Venez sur les piques. Repliez-vous. Vite, vite, vite. Oh, la salve que je viens de prendre. Quel enfer. Regardez ce que je prends. Oh là 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 là. Monsieur, non, mais c'est tellement fumé, Kend. Regardez ce que je prends. Il me découpe au tir.
Quand tu veux. Oh, et maintenant je veux plus tirer. Non, mais c'est pas possible. J'ai pris 2% de perte en une salve! Dans de l'élite! J'ai plus envie de jouer à ce mode. Non seulement le mec a que du T3, mais en plus il les sort à l'infini. Bah oui, mais TP c'est facile. S'il y a des garnisons, c'est facile. Bah ouais, mais moi j'ai envie de m'amuser un peu quoi. Elia qui reste pile poil à portée. Hein. Ça, ça, ça. Ça fait 18, c'est le 19e épisode. Ça commence à faire... Non mais en plus les assassins sont fufu là. Les assassins ils sont fufu là. Ils sont déjà super OP. Mais en plus ils sont fufu là. Et là, il vient me chercher. Il vient me chercher direct. Ok, l'armée arrive. C'est terrible. Allez, pas fun cette bataille. Allez, pas fun cette bataille, hein. J'ai pas tué un seul assassin, je lui ai mis des salves dans la tronche. Ok, mais là, le reste de l'armée est arrivé. Est-ce que je vais réussir à en tuer un? Genre, c'est parmi mes meilleurs archers que j'ai là. Il y a deux unités d'assassins, mais non! Ouais, ouais, ça tombe pas. Trois unités d'assassins! Ah! Non, mais... Et il va me rentrer dedans. Il va venir me chercher avec ses chars OP as fuck. Je vais tuer 4 gars depuis le début. Hein. Aller le chercher. Attendez, les chars bougent. Oh oui, vas-y, viens, viens gamin. Et c'est lui qui va me mettre la sauce. Hein. Oh, il y a des arbalètes et tout le machin. Ouais, je dois aller le chercher, ouais, non mais tant pis. Hein. Tant pis, on va faire une ligne. J'arriverai à rien comme ça. Je suis fatigué de ces conneries.
Voilà, on va faire une ligne d'infanterie. Y'a pas le choix. Voilà, old school. J'en ai plein le cul, j'en ai plein le baba de ce mode. J'en ai marre du tower defense, j'ai été patient. Mais je crois que c'est la dernière ce soir. Hein. J'en ai marre. J'aurais réussi à verrouiller le Mordor, je serais content. Mais là, je commence à être fatigué. Je commence à être un petit peu fatigué du spam variag d'unité de zinzin. On se demande d'où il sort tout ça. T'as tenu longtemps, j'ai été patient quand même. C'était drôle pendant un temps. Là, je commence à en avoir un peu plein le fion. On va pas se le cacher. Je voudrais bien m'amuser un peu. Là, je me fais juste casser la gueule. Je sers de punching ball à une faction cheatée qui balance du T3 à l'infini. Écoute, certains trouveront ça, ils vont trouver ça très drôle. Moi, pas trop. Moi, pas trop, hein, je le cache pas. J'en ai un peu plein de boules. Et regardez, il se replie, il va se barrer. 18 sur un run, ouais, 18 épisodes. J'ai quand même été vachement patient. J'en ai un petit peu là. Hein, regardez ce que je prends. Mais regardez ce que je prends en plus. Il me défonce. Il me défonce. Il me défonce. Il me défonce. Il m'éclate. Il m'éclate en tir. Il m'éclate en infanterie. Alors que j'ai du T3. Ça ne fait aucun sens. Et regardez, il se barre! Parce qu'il s'en fout! Il me disrespecte totalement! Il sait qu'il est OP! Alors, à quoi bon? Et vous allez voir que ces assassins là, ils vont m'ouvrir! Oh là, les chars vont m'éclater! Ah non, non, un petit renard noir, je sais pas, hein. Là, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Oh, regardez les chars, allez! Et les assassins, parce que sinon c'est pas drôle. Au niveau des pertes, c'est moi qui perds. Il y a un monde où cette bataille, je vais même pas la gagner. Tellement il y a du monde en face, hein, et de l'élite. Hein. Mon général qui est en train de se faire laver. Les chars me lavent. Voilà. Les chars me lavent. Mes archers n'ont servi à rien. Des archers T3, ils ont absolument rien fait. ...18% de perte. Et c'est une toute petite armée. Les assassins pour autant me découper. Ah, ils sont très très forts. Hein. Les assassins, regarde. Ils ont 25 de def. Ils font 17 d'attaque. 17 d'attaque. Ils one-shot tout. Tac, 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 tac. Et en plus, ils font peur aux unités ennemies. Ils peuvent se cacher. Charge puissante et ils se rendent même pas. Allez, là, je les mange juste au nombre. Mais je me suis fait laver. Terrible. Là, mes gardes de la fontaine. Mes gardes de la fontaine se sont fait massacrer par les assassins. Mes gardes de la fontaine. Ma meilleure unité, quasiment. C'est ma meilleure unité. Ils se sont fait éclater par les assassins. Terrible. Rien à faire. Et même mes meilleurs perses armures, bah, ils font pas grand chose. Hein. Il faut le café leur façade, ouais, y a de ça. Hein. Et c'est une toute petite armée. Ça, il les fait à l'infini. Tu cherches toujours des idées pour tes marionnettes. Ouais, il y a toujours... Propose!
Il y a zéro balance. Le Variag est beaucoup trop fort. Non seulement il est intouchable. Non seulement il est intouchable, mais en plus ses unités sont meilleures que le Gondor. Genre, il a des meilleures unités que le Gondor. Moi j'ai pas des unités aussi balèzes. C'est absurde. Et il en amène 3, il amène des chars, il amène les 4 infractaires, genre c'était une armée d'élite. Et j'ai fait de mon mieux en plus, hein. J'ai fait de mon mieux, je sais pas ce que je peux jouer de plus en fait. C'est pas que j'ai mal joué. J'ai défendu tout le temps, j'ai essayé de booster mon écho quand je pouvais. Génial. Ça me fait une belle jambe vu que les unités fuient pas. Ah si, là, ils fuient à 1. Les assassins, ils s'en foutent. Hein. Les assassins sont 21. On va leur tirer dans le dos. Là, je perds 27%. Et là, je suis en train de perdre mes mecs là-bas. Et il y a encore les chars. Les chars, allez! Et hop là! Ah, mes mecs fuient. Les assassins, ils sont toujours là, tranquilles. Eh ben. Quel désastre. Jusqu'au bout. C'est le dernier. Je me suis fait casser la gueule. J'ai perdu 900 mecs. Ils étaient 400. Il a fait du 1 pour 2 en rentabilité. Alors que c'est pas une mauvaise armée que j'ai là. J'ai quand même j'ai les phalangistes, j'ai les gardes de la fontaine, j'ai de l'anti-armure, j'ai les meilleurs archers du Gondor. Horrible. Et en même temps, vous devez gérer le Mordor, le Harad, Ardunheim et le Variag. Écoutez, c'était fun, mais je jette l'éponge. Je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. C'est trop dur, trop chiant, trop imbalance. Et moi, peut-être que certains ça leur plaira. Moi, ça m'a mis. Et j'aurais réussi à verrouiller le Mordor. Mais le Variag là, c'est bon. C'est vague après vague après vague après vague. D'unités giga OP. Ça fait aucun sens. Les machins, les assassins de zinzin là. C'est meilleur que le Gondor. J'ai pas envie de faire ça à l'infini. Hein. 19 épisodes, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, j'ai donné. Hein. On fait quoi après? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, le mode UR, je vous cache pas, je vais le virer. Je vais le virer. Dak Ago, c'est bien. Je pourrais essayer un autre mode. Je pourrais essayer le fameux Dak Ago. Le chat a testé? Go Youngstar sur Overwatch 2, mais Overwatch 2, je joue pas à ce genre de jeu. Jamais je ne supporterai quelqu'un qui joue à des jeux Blizzard et surtout Overwatch 2, quoi. C'est littéralement Overwatch 1 qu'ils ont vendu à 70€. Respecte-toi, mec. On appelle ça une tournante, ça, j'avoue. Même Youngstar, c'est mon pote, mais il joue à des jeux de merde aussi, des fois, non? Tant qu'il s'amuse, tant mieux, mais j'ai hors de question que j'envoie les gens voir ça. Mais il me fait l'œil de plus en plus. Bah écoute, Star Wars Outlaw. Arrêtez de me faire chier avec vos jeux pourris là. Non, on va essayer Ago. Je vais l'installer, puis on essaiera peut-être le mode Ago. On se lancera un petit run. J'irai potasser le sujet. Bon, bah je m'avoue vaincu. Je suis désolé, mais j'ai plus la patience. Je me suis bien amusé, mais j'ai 19 épisodes de Tower Defense. Et ça va, c'est sans fin. Là, on a fait 3 tours ce soir, quoi. Regardez, il arrive avec ses rhinocéros maintenant. Qui arrive avec les rhinocéros, c'est sans fin. C'est sans fin. Voilà. On essaiera à go. Bastien dit que c'est incroyable. On le prendra au mot. Bon, écoutez, je m'arrête là. Demain, avec Infi, on continuera notre petit 1v1 Mechanicus Astra Militarum. En soirée, les elfes, j'aurai le droit de jouer et de m'amuser avec mes trucs OP à moi. Hein, j'aurai le droit de m'amuser et de jouer. Minute géopolitique jeudi sur l'Ukraine, en soirée Age of Empires 2, et c'est déjà pas mal. Bon, allez, sur ce, je m'arrête là, passez une bonne soirée, bonne semaine, puis je vous dis à ciao ciao.